Hello les petits potes, c'est Rookie, de retour sur Warzone pour une petite vidéo sur l'attaque Eradicator. L'attaque Eradicator qui a été buff en début de saison 5 et qui franchement est exceptionnelle. J'ai fait une 18 kills en solo avec sur Rebirth Island. Voici la classe setup. Je crois qu'il y a quelques accessoires que vous verrez revenir constamment, que ce soit sur mes classes setup ou celles de beaucoup de personnes. C'est en bouche le silencieux, le quartier maître, qui permet en fait un contrôle du recul tout en étant silencieux avec de très faibles pénalités, que ce soit en visée ou vitesse de transition du sprint au tir ou même le reste où il n'y en a pas. Et également en accessoire canon, bah, la poignée en paracorde qui encore une fois permet un contrôle du recul horizontal et des bonus en mobilité et maniement et surtout zéro pénalité, notamment en vitesse de visée. Donc ça s'applique également pour cette arme, donc j'ai mis ces deux accessoires. Plus le meilleur canon, qui est le Long Conquer 70, pour aussi la portée des dégâts et la vitesse des balles. Vitesse des balles qu'on va également améliorer avec les munitions haute vitesse 7,62 x 51 mm, au détriment d'une très faible perte de portée des dégâts. Une vitesse des balles qui va jusque 1300 mètres seconde. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on laser nos ennemis. Et cette arme, je la joue à la mire pour rajouter une crosse, la base Tac Verte, pour avoir encore un contrôle du recul, un gain en contrôle du recul. Ce serait qu'à la base, elle en a pas mal quand même. Et franchement, avec ça, vous laser vos ennemis. Voilà, profitez bien du gameplay et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Yes. Hijo de puta, cabrón.